Vous êtes enfin de retour. Tout s'est bien passé? La taille de cette statue était impressionnante. Ce sera toujours pour moi l'une des plus grandes merveilles de la steppe d'Azim. En tout cas, ce n'était vraiment pas la peine de vous inquiéter pour nous. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons désormais participer au Nadam. Vous avez survécu à la force de Bardam. Nous venons vous chercher, sur ordre du Grand Magnaï. Vous avez vu leurs vêtements? Ce sont des Oronir, non? Qu'est-ce qu'on fait? Ce ne sont que de simples soldats. Nous n'aurions aucun mal à les vaincre, mais nous avons encore un peu de temps avant que le Nadam commence. Profitons-en pour jeter un œil à leur horde. Ce sont nos futurs alliés, après tout. Pourquoi ne pas faire un petit crochet chez eux avant de rentrer? Essayons de ne pas causer trop de soucis à Cyrina. Si les choses devaient mal tourner, on file sans demander notre reste. Merci pour l'invitation. Si vous voulez bien nous montrer le chemin. Il y a deux bannières différentes. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas que des Oronir ici? Magnaï, frère suprême, parmi tous mes frères, je t'amène nos invités. Alors comme ça, vous avez triomphé à la force de Bardam. À moins qu'on m'ait mal informé. Non, c'est exact. Nous l'avons fait en tant que guerriers des Molles. Tu sembles être le chef en ces lieux. Peut-on savoir pourquoi tu nous as fait venir ici? Nos exploits t'auraient-ils donné envie de nous intégrer à ta horde? Non. Les Oronir sont les fils d'Azim. Aucune alliance ne peut permettre à qui que ce soit de devenir l'enfant d'un dieu. Quand j'ai entendu dire que des intrus s'étaient permis d'entrer dans notre jardin, j'ai donné l'ordre de les dépouiller de leurs biens s'il s'agissait de simples voyageurs. Mais puisque vous avez survécu à la force de Bardam, cela fait de vous de fiers guerriers, Zella. Ce n'est plus la même histoire. Ça vous donne le droit de vous dévouer à notre Dieu et d'obtenir sa miséricorde. Nous, ses enfants, nous vous accorderons donc notre pardon si vous vous dévouez à Azim à travers nous. Si vos services me satisfont,
Je vous offrirai une preuve de son affection en acceptant de prêter l'oreille à certaines de vos requêtes. Tu nous ordonnes de travailler gratuitement pour toi et ta tribu, c'est ça? Tu nous prends pour des esclaves ou quoi? Et si on refuse? Toute désobéissance de votre part sera à mes yeux un manque de respect envers notre divin père, Azim. C'est un crime capital. Mais je suis prêt à me montrer clément pour cette intervention. Réfléchissez bien. Nous vous offrons une vie entière à notre service. Une existence dévouée, corps et âme, à notre Dieu, à baigner dans sa gloire. Nous sommes vraiment trop bons. Mon ami Buduga souhaite apparemment que nous vous mettions au service de sa tribu. Enfin, les hommes uniquement. Il n'y a aucune femme parmi eux, à l'inverse des Borlak. J'imagine que vous n'étiez pas au courant. Mais vous devez être rassuré de savoir qu'on s'intéresse à vous. D'accord, d'accord. Dis-moi, veux-tu bien nous expliquer quel genre de dévotion vous attendez de nous? Je ne suis pas sûr de bien comprendre tout ce charabia. Ce n'est pas sur ce ton qu'on s'adresse à un fils d'Azim. Surveille tes paroles. Tu ne me manqueras pas de respect une seconde fois. Vous devrez exaucer tous mes souhaits, même les plus exigeants. Si vous êtes assez dévoué, je vous autoriserai à me poser d'autres questions.